un sourire, une joie visible sur les visages. Une victoire de 5 buts à 0 sur l'AS Vutuka peut être déjà un avertissement aux Tunisiens. Et ce geste de Ilungu Ngasanya peut l'expliquer après son somptueux but réussi sur coup franc. Cinquième réalisation des Corbeaux en match retour de la Vodacom première division tour final. C'est Félix Sonzoustopila sur le corner de Kalaba qui ouvre le score. Ballon bien dévié par le défenseur axial du TP. Un but, 100% zambien, en joue 24 minutes. 6 minutes après, Thomas Souli Mwengu alourdit la marque. Le jeune Tanzanien doit merci à Luka Lungu qui lui a servi le ballon comme sur un plat d'or. Une première mi-temps prolifique pour les poulains de Mamadou Lamine Ndiaye. Avant la pause, Luka Lungu est stoppé irrégulièrement dans le grand rectangle. Eric Bokanga le venge pour le troisième but. Totalement en confiance, le Tanzanien Thomas Souli Mwengu signera son doublé. Ce garçon n'aura besoin que de 2 minutes après le retour des vestiaires. Une démonstration d'efforts entre 4 défenseurs de Vutuka impuissants avant de fusiller le gardien sans solution. Et c'est le génie de Patrick Ilungu Ngasanya qui clôture la série sur un coup franc bien enveloppé devant le gardien Galanzungu sans argument convaincant. 5-0, l'ancien du Daring Club Motema Pembe retrouve son talent. Premier but sur balle arrêtée sous le maillot de Mazembe. Le club de Moïse Katumbi reprend la deuxième place à Motema Pembe, 46 points plus 37 comme goal average. Et les Badiangwena retrouvent aussi peut-être leur santé offensive, comme contre Muungano et Pawa Dynamo, 5-0 et 6-0 la même semaine. Désormais, les supporters n'attendent que l'espérance des Tunis pour vérifier cette tendance.